La masse de la Lune est de 7,35 fois 10 exposant 22 kg et sa distance à la Terre est de 384 000 km. Sachant que la masse de la Terre vaut 5,98 fois 10 exposant 24 kg, calcule la force centripète qui maintient la Lune sur son orbite circulaire. Voici une simulation et voici les données. La masse de la Lune est de 7,35 fois 10 exposant 22 kg. La masse de la Terre est de 5,98 fois 10 exposant 24 kg. Et la distance petit r entre la Terre et la Lune vaut 384 000 km, c'est-à-dire 3,84 fois 10 exposant 8 mètres. Ce que nous cherchons, c'est la force centripète qui maintient la Lune sur son orbite, et ça c'est bien sûr la force de gravitation avec laquelle la Terre attire la Lune. Nous exprimons cette force en Newton. Et pour la trouver, nous appliquons la loi universelle de gravitation, cette formule de Newton. Dans cette formule, nous remplaçons ME, MM et petit r par ces valeurs données et nous remplaçons le grand G par la valeur 6,67 fois 10 exposant moins 11. C'est ainsi que nous trouvons que cette force de gravitation, c'est-à-dire la force centripète demandée, vaut à peu près 1,99 fois 10 exposant 20 newtons.